L'ange numéro 12, Haraya. Il régit du 16 au 20 mai. Il est l'ange de l'intériorisation, du refuge. Il aide à comprendre l'importance des moments de médiation et d'intériorisation dans notre vie, pour un juste équilibre entre notre monde intérieur et extérieur. Il nous enseigne qu'on peut toujours trouver refuge à l'intérieur de soi, même dans des situations difficiles. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Refuge, période de calme, de repos. Méditation, intériorisation, amour de la solitude. Favorise le sommeil, aide à se ressourcer, à renouveler son énergie et à rétablir l'équilibre entre la vie intime et la vie sociale. Inspire à prendre soin autant de notre monde intérieur que de notre maison, notre foyer. Appréciation de la propreté et de l'ordre. Harmonisation intérieure par la remise en question de soi. Transforme les attitudes destructrices. Isole les tendances négatives dans un cercle énergétique. Examen de la vie personnelle. Dissolution de l'agressivité. Facilite l'interprétation des rêves. Donne accès au mystère occulte. Accorde la paix, protège, accroît la médiumnité, attitude positive, discrétion. Nous pouvons rectifier les distorsions humaines suivantes. Tendance à se retirer, à s'isoler, à s'évader, à fuir ou à refuser de faire face à ses responsabilités ou comportement hyperactif par lequel l'être cherche à camoufler ses problèmes, ses soucis et insécurités, ses blessures ou difficultés émotionnelles. Indépendance excessive, attitude d'ermite. Période de stress et d'agitation. Manque de temps pour soi. Difficulté à s'intérioriser et à méditer. Comportement social. Comportement asocial. Tendance
à entretenir, nourrir, ruminer des problèmes émotionnels ou à refuser de leur faire face ou à bouder, à faire la tête. Impulsivité, agressivité, dépendance, négativisme, indiscrétion, mensonge, abus de confiance, trahison, amertume, ressentiment, résignation, rancune. Hallucination, supercherie et élucubration de médium déséquilibré, confusion entre les rêves et la réalité, phobie, agoraphobie, claustrophobie, etc. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Agoraphobie, angoisse, clairaudience, clairsentience, clairvoyance, télépathie, discrétion, subtilité, hallucination, insomnie, peur, phobie, refuge, trouver refuge, rêve, interprétation des rêves, sommeil, subtilité, discrétion, xénophobie, douce pensée angélique.